La société CD Projekt Red, à qui l'on doit des jeux tels que Cyberpunk 2077, mais surtout, devrais-je dire, les jeux The Witcher, est en train de s'enfoncer de plus en plus dans les marécages du wokisme. Ça finit par se voir, ça finit surtout par se savoir. Et les joueurs sont mécontents, ils l'ont fait eux aussi, pour certains, savoir sur les réseaux sociaux. Du coup, le PDG de CD Projekt Red est sorti pour essayer de nous expliquer, tout en pataugeant tout de même, que la société, en fait, n'était pas du tout enclin à aller vers le wokisme. Mais oui, mais le problème, c'est que tous les faits nous prouvent l'inverse. On voit ça ensemble. Et je suis content de vous retrouver. Eh oui, petit café, les copains. Retour de vacances, ouais, toujours la banane, toujours debout, toujours la badate, rassurez-vous. Ouais, c'est pour ceux qui m'ont posé la question. Parce que chez moi, il y a des inondations, tu vois, en ce moment. Mais moi, je suis le seul endroit où, pour l'instant, il n'y a pas d'inondation. Mais tout autour de chez moi, c'est une catastrophe, c'est un truc de dingue. Petite chanson, tu l'auras reconnue d'ailleurs, de je pensais que c'était de Woolsey à la base. Woolsey ? Woolsey ? Woolsey ? Woolsey ? Woolsey ? Woolsey ? Je sais plus comment on dit. Mais en fait, c'est de Plastic Bertrand, ouais, ouais, sur son album dans les années 1975. Son album très connu d'ailleurs, qui avait fait un carton à l'international, qui s'intitulait Le caoutchouc, c'est pas fou. Souvenez-vous, c'était pas piqué d'âne, donc faut bien le reconnaître. À l'époque, déjà, il concurrençait facilement Ray Charles. Hein. Eh oui. Bref, donc ici, oui, c'est des Project Red. Alors, ça me fout les boules parce que pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, faut le savoir, j'ai commencé les vidéos grâce ou à cause. Hein, ça dépend où tu places le curseur de ton amitié envers ma propre personne. Donc, hein, à cause donc ou grâce Cyberpunk 2077. Ah, le jeu de CD Projekt Red, évidemment, et toute la polémique qu'il y avait autour à l'époque, donc, hein, de ce fameux jeu qui restera pour moi de toute façon une déception, bien qu'aujourd'hui ce soit un jeu, hein, quand tu joues, il est agréable, machin, il est joli, etc. Mais moi, il nous avait promis dès le début, en fait, une vue à la troisième personne, je ne l'ai jamais eue, donc pour moi, ils m'ont trahi. Ah, mais ça restera comme ça, ça me reste en travers de la gorge, et je serai ad vitam aeternam déçu de ce Cyberpunk 2077. À côté de ça, évidemment, le jeu en lui-même, je l'ai fini, et il est qualitatif, il n'y a pas de souci. Pour ce qu'il est, en tous les cas. Mais donc voilà, et c'est des Project Red, pour ceux qui ne le savent pas, donc moi j'ai des origines polonaises, et oui, et c'est vrai que c'est une maison de production comme ça de jeux vidéo, pour laquelle donc les Polonais sont quand même assez fiers à la base, puisqu'elle a quand même produit des jeux qui sont quand même assez réputés maintenant dans le monde, notamment la série de jeux The Witcher, tu vois. Qui sont pour moi, c'est une de mes licences préférées en termes de jeux vidéo et en termes de RPG aussi et surtout. Et bien cette fameuse société donc est en train de glisser, de s'enliser dans les marécages du wokisme de plus en plus. Et oui, et comme je l'ai dit en introduction, ça finit par se voir, ça finit par se savoir. Et les joueurs eux aussi donc font savoir qu'ils ne sont pas contents. On va lire l'article ensemble, on va voir ce qu'il en est exactement. On va comprendre que le PDG, donc un monsieur Nowakowski, le PDG de CD Projekt Red, va tenter de nous expliquer que l'entreprise, eh bien, ne va pas vers le côté woke de la force, mais... Bon, à voir. On va laisser se défendre tranquillement, on va laisser patauger un petit peu, puis après je l'épinglerai un petit peu aussi, puisque j'ai quand même, j'ai d'autres articles à côté que je vous montrerai, qui nous prouvent en fait tout à fait l'inverse, mais déjà dans cet article-ci, sa parole va être largement mise en porte-à-faux, devrais-je dire. Donc on nous dit ici, le PDG de CD Projekt Red, Michael Nowakowski, affirme que l'entreprise recrute en fonction du mérite, alors que le site web de l'entreprise affirme qu'elle adopte des pratiques équitables et dispose d'un programme de bourse qui exclut les hommes. Donc le PDG de CD Projekt Red, Michael Nowakowski, a affirmé que son entreprise recrute en fonction du mérite, bien qu'elle dispose d'un programme de bourse qui exclut les hommes. Mais il n'y a pas que ça, on va voir ça ensemble. Les commentaires donc de Nowakowski sont venus en réponse à une vidéo du youtubeur Elimion où il a affirmé qu'une source l'avait informé que CD Projekt Red est dans un chaos absolu en ce moment, en se basant donc sur ceux qui travaillent encore et qui travaillaient sur les jeux précédents. Alors c'est vrai qu'ici tu vois c'est un on dit, hein, il y a quelqu'un qui lui dit qu'il serait dans une panade, etc. Mais quelque part s'il ne l'était pas dans cette fameuse panade, eh bien on n'aurait pas la réponse directement de ce fameux PDG Nowakowski
qu'on va pouvoir lire ensemble, forcément. Donc ça veut dire, ça nous montre en tous les cas que quelque part ils sont à l'affût de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et ils semblent un petit peu quand même sur les nerfs actuellement dans l'entreprise. Et surtout, ce qui est quand même assez édifiant ici, c'est qu'une fois de plus on a donc une entreprise qui glisse vers le côté woke de la force, mais qui sait très bien que c'est casse-gueule, que si les joueurs continuent à en parler davantage et le mettre en avant, ils finiraient sans doute par avoir des boycotts sur leur propre jeu. Et il y a un flippage total, en fait, hein, actuellement, de la part de beaucoup d'entreprises, justement à cause de ce fameux côté woke de la force, qui est ici, en fait, évident, édifiant, mis en avant assez facilement, compréhensible, de manière assez compréhensible, avec ce PDG Novakovsky. Vous allez voir ça. Donc il a ajouté, apparemment beaucoup de talents seniors ont déjà quitté CD Projekt Red. Donc ça, c'est le youtubeur qui dit ça, hein. Par exemple, le réalisateur de Witcher 3 a quitté le studio depuis longtemps. Ils ont déjà créé leur propre studio avec leur propre nouveau jeu, apparemment, des endroits comme Warhorse Studio, donc les créateurs de Kingdom Deliverance, ont en fait débauché des talents de CD Projekt Red comme des fous ces dernières années. Il y a d'autres studios évidemment qui sont en train de se créer à côté, qui vont rentrer en compétition justement avec CD Projekt Red. J'ai presque envie de dire tant mieux, tant mieux. Avec donc ces anciens qui se sont fait ou lourder ou alors ils ont démissionné, ça dépend pour les cas. Donc il a également noté, on m'a dit que les problèmes qui affligent Ubisoft, donc hein, comme le recrutement de personnes diverses, commencent également à nuire à CD Projekt Red. Bah oui, hein, mais les mêmes effets, les mêmes causes produisant systématiquement les mêmes effets. Dès lors que tu n'embauches pas les personnes sur leur qualité, sur leurs compétences, mais uniquement sur leur couleur de peau ou sur leur orientation sexuelle, bah, ça finit forcément par ne plus flotter très bien, hein, au sein de l'entreprise. L'entreprise finit par couler au bout d'un moment. C'est une certitude, en tous les cas, c'est pas Ubisoft qui nous dira le contraire, ça c'est certain. Alors, selon donc cette autre source, CD Projekt a commencé à recourir massivement à des sous-traitants pour l'aider dans ses jeux, car les nouveaux talents dont ils disposent sont loin d'être là où ils ont besoin de eux en ce moment. Donc c'est génial, en fait, quoi. C'est-à-dire, ils ont viré certains ont démissionné, on ne sait pas trop. Il y a les deux dans l'histoire. Hein. Des personnes donc qui étaient très compétentes et qui travaillaient donc au sein de l'entreprise depuis des années maintenant, qui ont participé justement à la création de jeux qui sont devenus très réputés, notamment The Witcher 3 dernièrement. Et ils les ont remplacés, donc ces gens, sur l'autel de la diversité et de l'inclusivité, par des gens qu'ils ont recrutés sous le prisme de leur couleur de peau ou de leur orientation sexuelle. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont pas compétents. Ils sont pas compétents, et donc l'entreprise fait appel à d'autres entreprises annexes pour venir travailler sur les jeux en cours, donc hein, actuellement. Donc c'est juste hallucinant, en vrai, quoi. On m'a dit que la raison pour laquelle le prochain Witcher utilise l'Unreal Engine au lieu du Red Engine utilisé dans les jeux précédents est en grande partie due au fait que la plupart des talents seniors qui ont travaillé et compris le Red Engine ne sont plus chez CD qu'Unreal et davantage un moteur unique que de nombreux développeurs connaissent de nos jours, a-t-il ajouté. Alors ça, tu vois, quelque part, les deux se valent, Red Engine, Unreal Engine, ce sont de toute façon de très bons produits, l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci. On devrait normalement avoir des jeux de qualité, que ce soit avec Red Engine ou alors avec Unreal, il n'y a pas de problème. Le souci, en fait, se pose plutôt pour les fans. C'est-à-dire que il y a une touche, tu vois, sur Red Engine qui n'existe pas sur Unreal, c'est idem, hein, vice-versa, si tu préfères. Et donc cette touche va disparaître dans les prochains jeux The Witcher, notamment, tu vois. Et donc ça, forcément, pour les fans, c'est un petit peu dommage. On perd quelque chose, un marqueur sur un plan graphique que nous connaissions bien, justement, au sein de cette entreprise par le passé, dans les jeux qu'on a aimés. Mais c'est un détail, me diras-tu. Mais tout de même. Alors, Eddie Mion, donc, a ensuite réitéré, comme on me l'a dit, donc, un CD Projekt Red est actuellement dans une situation très difficile et ils espèrent apparemment que leur pedigree permettra à ces jeux d'atteindre des millions de ventes. C'est-à-dire qu'actuellement, on nous dit ici que l'entreprise compterait surtout sur, eh bien, sa réputation pour vendre les jeux qui sont justement en préparation actuellement et non pas sur la qualité en elle-même de ces fameux softs. Donc, c'est chaud, c'est même très très chaud, c'est exactement, tu vas arriver exactement sur le même procédé qu'avait entrepris donc Ubisoft ces derniers temps, et on a vu que ça n'a pas fonctionné, hein, puisque quand tu te fous de la gueule des gens une fois avec un jeu qui ne fonctionne pas très bien, deux fois, bon, à la limite, trois fois,
Ça finit par se voir, et la quatrième fois, forcément, tes jeux ne sont plus achetés, les gens les boudent et finissent par se poser des questions sur le pourquoi la médiocrité est-elle arrivée au sein de ces entreprises, et souvent, le côté banque de la force ressurgit derrière tout cela. Pas que, me diras-tu, mais souvent, évidemment, il y a le côté woke de la force dans tout cela. Donc s'ils comptent sur leur notoriété justement pour vendre leur prochain jeu, déjà, ça sent pas bon du tout. En réponse donc à cette vidéo, Novakovski a posté sur X. Alors lui, il a sorti les rames, il a sorti la pirogue, et il pagaye. Ah si, 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 franchement, on va le lire, hein, mais on va comprendre rapidement que c'est pas gagné. Pour nous expliquer que l'entreprise n'est pas dans le wokisme, c'est pas gagné. Il semble que nous vivions une époque où n'importe qui peut enregistrer des bêtises et en faire une histoire, nous dit-il. Des talents de CD Projekt Red s'en vont. Nous avons une rotation de personnel la plus faible de ces dernières années. Donc il est génial parce qu'il commence en disant, tu vois, ce sont des bêtises que certaines personnes racontent, hein, qui en font plus des histoires après, etc. Donc en gros, une fois de plus, on te ressort le bon vieux argument du fantasme. Ça n'existe pas. Non, mais vous imaginez tout ça, vous montez des histoires. Bon, on a que ça à foutre, en fait, de monter des histoires, évidemment. Et les joueurs, donc, ça à foutre aussi de monter des histoires sur ces fameuses entreprises. Il n'y a pas de souci. On va se rendre compte, hein, justement, après, dans les articles que j'ai en annexe de l'article qu'on lit ici, que si nous sommes de grands rêveurs, des gens qui aiment, justement, visiblement, selon Novakovski, fantasmer, eh bien, malheureusement, les faits, comment je pourrais dire, corroborent nos rêves et nos fantasmes, nos cauchemars, quelque part, presque. Je devrais dire plutôt avec le côté woke de la force. On va voir ça ensemble. Mais déjà, tu vois, il dit ça, puis après, donc, hein, est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se barrent de notre entreprise? Donc, normalement, tu vois, si t'as raconté des conneries et que t'as fait des histoires avec tout ça là, il va te dire que non, il y a personne qui se barre de l'entreprise. Il dit que si, si, mais c'est une rotation qui est faible. Ah ouais, mais si elle est faible, elle existe, ta rotation. S'en fout qu'elle soit faible. Le mec, en fait, le youtubeur, il a pas dit « Ils ont une rotation qui est extraordinaire. Ah si, c'est 10 fois plus qu'Electronic Arts, Square Enix, réunis. » Il a jamais dit ça, le type. Il a dit « Il y a des gens qui étaient très talentueux, qui avaient des compétences au sein de ton entreprise, qui se sont barrés ces derniers temps. » Lorsqu'il arrive derrière en disant « Ah, c'est pas vrai, parce qu'on a une rotation qui est hyper faible. » Oh, monsieur Novakovski, t'es pas très sérieux, là, quand même, là. Une fois de plus, tu n'es pas très sérieux, là, dans ce que tu nous racontes, monsieur Novakovski. Il a poursuivi donc un recrutement axé sur la DEI. Que nenni. Non, le que nenni, c'est moi qui l'ai rajouté. Nous embauchons uniquement sur la base du mérite et du talent, tout comme nous créons des jeux uniquement basés sur une version artistique. Et ça, ça tu vois précisément là, spécifiquement, typiquement, c'est une garlouzette. Ah, c'est un mensonge. Il nous fait une Sweet Baby Inc. Tu vas voir pourquoi. Il a ensuite expliqué pourquoi l'entreprise avait choisi Unreal. Donc il dit « Pourquoi nous avons choisi UE ?» Parce que cela nous permet de travailler sur nos jeux plus efficacement et de rester à la pointe de la technologie. Il a ensuite admis que Konrad Tomaszkiewicz, le réalisateur de The Witcher 3, avait bel et bien quitté la société. Le réalisateur de The Witcher 3 est parti. Eh bien, oui, il y a plus de 2 ans maintenant. Hein, pouvons-nous arrêter de chercher des théories du complot et recommencer à faire des trucs cool? Donc tu vois, on est sur la théorie du complot. T'as un youtubeur en fait qui est en train de donner des faits, hein, qui énumère des faits tout simplement, et il se passe ça, puis on m'a dit qu'il se passait ça aussi. Et l'autre il pète un cap derrière en disant « Non mais tout est faux !» Et en fait, plus il parle et plus on se rend compte que tout est vrai. Et par contre, que évidemment, puisque tout est faux, tout cela ne serait qu'une théorie du complot, comme j'ai dit, tu vois, ce bon vieux fantasme évidemment, qui ressort une fois de plus. Le problème, on nous dit ici, concernant donc les meilleurs talents quittant donc un CD Projekt Red, l'utilisateur Reddit Agus CC extrait donc une tonne d'informations d'une vidéo de Legacy Kill HD qui détaillait qu'au moins 11 directeurs et chefs de département ont quitté CD Projekt Red en 2021 après la sortie de Cyberpunk 2077. Donc les noms sont ici, on va pas les lire tous ensemble. Je ne vais pas les énumérer comme ça, les uns après les autres, parce que de toute façon, c'est des gens, il faut mieux le reconnaître. De nom, on ne les connaît pas. Mais visiblement, donc, c'était des développeurs qui étaient par le passé donc, au sein de cette entreprise et qui s'y connaissaient pas mal, puisqu'il y en a certains, par exemple, qui ont travaillé sur The Witcher 3.
Voilà. L'entreprise donc recrute également des talents en fonction des initiatives en matière de diversité, d'inclusion et d'équité. Et c'est là en fait que je disais, il nous fait une Sweet Baby Inc. en fait, Monsieur Novakovsky. Pourquoi ? Parce que souvenez-vous en fait à la base, quand le scandale est sorti sur Sweet Baby Inc., lorsque la lumière a été mise sur cette entreprise et qu'on a compris qu'elle était là pour wokiser les jeux vidéo, la première chose qu'on fait donc à les dirigeants de Sweet Baby Inc., c'était de dire que non, tout cela était faux. Ah non, non, on n'a jamais fait du wokisme, ça n'existe pas, c'est que dans votre tête, extrême droite, fasciste de merde, etc. etc. Et le problème, c'est qu'on avait lu ensemble, justement, leur site web, on avait été ensemble sur leur site web, et là, tu vois, c'est comme si tu ouvrais les portes de la cathédrale du wokisme, hein, avec l'évangile selon Saint Wok, qui était directement, en fait, inscrit sur leur site. Hein, il suffisait de lire, et t'avais la feuille de route, en fait, de l'idéologie Wok, qui était inscrite sur leur site, et qui était, justement, donc, hein, leur ligne directrice, justement, pour cette fameuse entreprise Sweet Baby Inc. Mais ici, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que t'as donc un Novakovsky qui nous raconte que tout cela en fait n'est qu'un fantasme et que ça n'existe pas, et en fait t'as juste à aller sur son site pour te rendre compte que le type il est pas sérieux, quoi. Ou alors il sait pas ce qui se passe dans son entreprise, mais ça commence à être inquiétant tout de même. On nous dit par exemple ici donc, hein, alors ça c'est sur leur site, hein. Notre objectif est de créer des jeux de rôle révolutionnaires et des histoires mémorables qui inspirent les joueurs. Jusqu'ici tout va bien. Nous pouvons atteindre ces objectifs et tenir ces promesses qu'avec une équipe formidable et passionnée dont les talents et les compétences professionnelles reflètent l'étendue de l'expérience dans le monde. Alors tu vois ici la phrase elle est pas mal, mais ça glisse un peu déjà avec l'expérience dans le monde. Déjà à la fin tu sais quoi ? Dans le monde, parce qu'en Pologne en fait c'est tous des crétins, qu'est-ce qui se passe ? Les gens avec qui tu travaillais avant c'est quoi ? Et bah, il continue derrière en disant donc, enfin, il continue sur son site, hein, en disant donc, un environnement de travail diversifié et inclusif stimule la créativité et l'innovation, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin pour repousser les limites de la technologie et de la narration. Bah voilà, là t'es exactement en fait sur l'évangile selon Saint-Bois, qu'il n'y a pas de souci avec des formules comme ça, des incantations que nous connaissons très 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 bien sur cette chaîne. Pourquoi ? Parce que ce sont systématiquement toujours les mêmes, il n'y a pas de souci. Donc on continue. De plus, donc, la page web révèle également que l'entreprise s'engage dans des pratiques équitables, bien loin de ce qu'elle prétend embaucher, donc en fonction du mérite et du talent. Donc, la page indique « Nous n'avons pas peur de défendre nos convictions en mettant en œuvre des avantages sociaux inclusifs et en créant un espace où chacun peut être lui-même. » Nous créons un exemple... Ça me fait marrer. C'est des phrases qui veulent rien dire. Nous créons un exemple positif pour les autres entreprises et contribuons à un changement social positif. Alors là, il y a plein de trucs à dire. D'abord, on va commencer par ce fameux changement social positif. On est en train de parler, en fait, d'une maison qui, à la base, produit des jeux vidéo qui divertit les gens. Hein, ici, en fait, on a basculé de cette maison de divertissement, en fait, à un organisme politique qui ne dit pas son nom, tout simplement, puisqu'ils prétendent, en fait, pouvoir changer la société, faire des changements sociaux de manière positive. Donc, hein, pour eux, ce qui est positif, c'est exactement donc ce qui est inscrit dans l'évangile selon Saint Wok. On nous explique ici, donc, c'est cette fameuse inclusivité qui exclut in fine. Hein, et puis, on peut, justement, par exemple, voir ces personnes qui ont été ou licenciées ou qui ont dû se barrer de l'entreprise sur l'autel, justement, de cette fameuse inclusivité. Eux, ils ont bien été exclus, ils ont trouvé du travail derrière, peu importe, ils ont quand même été exclus, et donc de cette diversité qui apporterait donc une lumière extraordinaire à la société, au monde entier, quoi, j'ai presque envie de dire. Donc on a basculé complètement, en fait, on est parti d'une maison de divertissement, quelque part, hein, qui était là pour divertir les gens, à un organisme politique, avec un programme politique, une idéologie politique à appliquer, à mettre en place pour la société. C'est juste hallucinant, hein. Et après, évidemment, tu as toujours ces incantations qui ne veulent absolument rien dire. Chacun peut être lui-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui étaient avant dans ton entreprise n'avaient pas l'opportunité d'être eux-mêmes ? Comment ça se passait, en fait, à l'époque ? Lorsque tu avais le type, là, qui est parti, là, le senior qui travaillait sur... Le senior, qui travaillait sur... qui a travaillé sur le jeu The Witcher 3, quand il était au sein de ton entreprise, il n'était pas lui-même ? Je crois pas. Je dis, c'est des incantations qui sont balancées comme ça, qui ne veulent absolument rien dire. En outre, donc, il a ajouté, les équipes en bonne santé sont celles dans lesquelles tous les membres se sentent bien, valorisés et en sécurité. Cette fameuse sécurité, tu sais. Parce qu'avant, c'est pareil, tu vois, avant, quand il y a les autres employés, là, tous ceux qui se sont barrés, là, déjà, ils étaient pas en sécurité.
C'était pas, non, c'était pas génial. Et puis sur un plan tout à fait psychologique, pour la santé mentale, on n'était pas au top. Et bah déjà, tu vois, pour reprendre le type dont je parlais tout à l'heure, là, le senior qui a travaillé sur The Witcher 3, rien que lui, tu vois, bah déjà, il était pas tout à fait normal. Il arrivait déjà tous les matins au travail avec un corbillard. Ah bah c'est étonnant, c'est assez étrange quand même. Vêtu, parfois, et parfois même non vêtu. Ah, et en plus, il était taxidermiste. Il mettait des animaux empaillés comme ça sur son bureau. Il leur collait comme ça dans le fion. Des micros. Si. Il faisait des bruits, des cris extraordinaires comme ça dans l'entreprise. Ah non, la santé mentale, c'était pas ça. On se sentait pas en sécurité. Hein. Mais ils se foutent de notre gueule, sans déconner. Ils se foutent de notre gueule. C'est un truc de dingue, quoi. Tu craches, en fait, sur les équipes du passé que t'as licenciées. Sur l'autel de ton inclusivité, sur l'autel de ton idéologie woke, tu dis que maintenant, en fait, l'entreprise en fait, se porte mieux, qu'elle est en bonne santé mentale. Ils sont tarés, quoi. Se sentent bien, valorisés et en sécurité. En sécurité, pourquoi ? Ce sont donc ces équipes que nous souhaitons responsabiliser au sein de Raid en introduisant donc diverses initiatives. Tout ça, c'est sur leur site. Hein. Donc évidemment, là, le côté de Monsieur Novakovski, « Ouais, vous fantasmez, ça n'existe pas !» Déjà, il est bien loin, hein, tu l'as bien compris. C'est dingue, quand même, cette histoire. L'une de ces initiatives, donc, s'appelle la Charte de la Diversité. Ça, c'est génial, ça. The sugar and the cake, hein. Ouais, la cerise sur le pompon, évidemment. CD Projekt Red explique « Nous faisons partie d'une entreprise signataire de la Charte de la Diversité, un document qui s'engage à ne pas discriminer sur le lieu de travail, ça c'est bien, et à mettre en place des politiques qui créent et favorisent la diversité. » Alors, tu promets de ne pas discriminer tout en discriminant. Je vous discriminerai pas. C'est bien. Qui a dit c'est bien ? Toi, là Machin, j'ai plus ton nom, on s'en fout, t'es blanc. Alors, est-ce que tu as une orientation sexuelle qui pourrait correspondre à la charte ? Comment ça, t'es hétérosexuel ? Ben voilà, voilà. Et voyez les mecs, moi je suis là pour un projet social, là, pour faire avancer le positif, là. Moi je veux plus de discrimination dans l'entreprise, donc bah qu'est-ce qui se passe, tu dégages ? Si, bah parce que t'es blanc et parce que t'es hétéro déjà. Voilà. Bah ouais, mais faux et deux faux. Et là, c'est t'as deux fois faux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On peut pas faire plus grave. Tu quittes cette entreprise, machin. Je m'en fous de savoir que tu t'appelles pas machin. Ne me parle plus. Non, mais franchement, c'est vraiment des malades. C'est des malades. Il te dit, on va pas discriminer sur le lieu de travail, et puis après, on va créer un environnement qui sera fait sur la diversité. Forcément, donc tu vas discriminer. Ne serait-ce qu'à l'embauche, obligatoirement. Nous avons également été classés parmi les meilleurs employeurs de Pologne en termes de gestion de la diversité et de l'inclusion. Alors là, ils fanfaronnent, tu vois, mais moi, je peux te le dire, pour connaître encore certaines personnes actuellement en Pologne, les Polonais sont très très loin du côté woke de la force. Hein. Mais très 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 loin. C'est pas un truc du tout qui leur fait plaisir. Au contraire, même, hein, devrais-je dire, ils sont plutôt sur la ligne russe. Là-dessus, bah ouais, si on veut un exemple, tu vois, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller voir. L'Europe de l'Est, hein, globalement, de toute façon, mais les Polonais, en tous les cas, pour ceux que je connais, avec qui j'ai pu parler, ils sont très très loin du côté woke de la force. Donc quand eux, ils viennent ici fanfaronner en disant « Ouais, on est l'entreprise la plus woke de Pologne, on est fiers », je peux t'assurer que les Polonais, ils ont les boules. Ils ont les boules parce qu'ils étaient justement très fiers de CD Projekt Red et de voir qu'elle est en train de s'enliser dans les marécages du wokisme, ça leur broie les pokéballs, il faut bien le reconnaître. L'entreprise donc se vante également de s'engager à promouvoir le changement social et à être donc un exemple. Tous nos efforts visant donc à atteindre ces objectifs sont présents ici. Donc une fois de plus, en fait, à la feuille de route, tu n'es plus du tout sur une maison de production pour le divertissement dans le jeu vidéo. Tu es sur un organisme politique, hein, qui ne dit pas son nom ici, qui est là pour faire du militantisme, hein, qui est là pour militer pour un programme, nous dit-on ici, qui serait positif donc pour les sociétés, un changement social, hein, qui devrait s'opérer donc sur l'autel de l'idéologie woke et donc sur l'autel de l'évangile selon Saint Woke. C'est pas moi qui le dis ici, hein, une fois de plus, c'est pas quelque chose que je suis en train de
d'inventer. On est en train de lire exactement en fait ce qu'il y a sur leur site, hein. Ni plus ni moins. Donc voilà. Et on va voir après avec les sites que j'ai groupés, les articles pardon que j'ai groupés, que ça va évidemment pas du tout dans le bon sens. Enfin, l'une des initiatives comprend également un programme de bourse qui exclut des hommes de la participation grâce à un partenariat, donc un Girls in Game. Et effectivement, tu vois dans les articles que j'ai trouvés à côté, tu as par exemple celui-ci qui nous dit que c'est des projets Red, développeur de Witcher annonce la 4e édition d'un programme de bourse qui exclut les hommes. Alors là, t'es exactement en fait hein, sur le même procédé qui a existé dans d'autres entreprises par le passé qu'on a pu voir ensemble, qui est donc toujours en fait ce procédé qui est, comment je pourrais dire, qui est un marqueur du wokisme, c'est-à-dire cette fameuse embauche à la discrimination. Ici, il est question donc de discriminer totalement directement, puisque ne sera question donc que d'embaucher des femmes et non pas des hommes. C'est-à-dire que dès lors que cette personne, en fait, Novakovsky nous dit qu'il est là uniquement pour embaucher des personnes sur leurs compétences, mais qu'il crée ce genre de portes ouvertes, donc avec des bourses accordées qui excluent uniquement les hommes, forcément, il va directement à l'encontre de ce qu'il nous expliquait, c'est une certitude. À côté, tu vois, j'avais relevé aussi cela. Marie Kenney, donc un développeur de CD Projekt Red, qui a déclaré que tous les leviers doivent être actionnés pour faire avancer l'agenda LGBTQ+, laisse entendre qu'elle travaille donc sur la suite de Cyberpunk 2077. Tu vois, une fois de plus, là, monsieur Novakovsky, on est en train de rien inventer. On n'invente rien, ça, c'est ton personnel. C'est les gens que t'as embauchés. Et attention, c'est pas des gens que t'as embauchés il y a 10 ans de ça, tu viens de les embaucher. Hein, puisque justement, qui est donc cette personne, Marie Kenney, on nous dit ici, la militante de Sweet Baby Inc., qui affirme que tous les leviers doivent être actionnés pour faire avancer le programme LGBTQ+, annonce qu'elle rejoint CD Projekt Red. Donc c'est elle, hein, c'est la jeune fille que vous voyez ici, qui a un air tout à fait ahuri, qui est comme ça, qui est dans le suspense, j'ai presque envie de dire, qui est donc qui est embauchée et qui nous vient de Sweet Baby Inc., hein, ni plus ni moins, hein, tu vois. C'est-à-dire que t'as été les chercher quand même dans les gorges de l'enfer. oui, ton personnel. Donc après, tu vois, monsieur Novakovsky, pour venir nous prendre pour des cons, en racontant que c'est nous qui fantasmons une histoire qui n'existe pas et qu'on brode tout cela, tu vois, de nos petits mains de fées enchantées, eh bien, ici, j'ai presque envie de dire que interroge-toi sur ce qui est en train de se passer dans ton entreprise, parce que c'est ou tu n'es pas conscient de ce qui se passe, ou clairement, en fait, tu te fous juste de notre gueule. Moi, je penche plutôt pour la seconde solution, hein. J'en ai l'habitude, maintenant, avec le côté woke de la force, ce gros foutage de gueule que je m'exerce systématiquement à mettre en avant ici, tu vois. C'est pas de peau, parce qu'à chaque fois, tu vois, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je remonte à chaque fois dans le passé pour aller voir justement ce qui se passe dans ces fameuses entreprises, pour venir, eh bien, ajouter un petit peu d'eau à mon moulin et accréditer ce que je pense de tout cela. C'est ce que je fais justement ici en reprenant des articles du passé pour montrer qu'ils se foutent bien de notre gueule, quoi. Un autre article, par exemple, nous dit ici, le responsable artistique principal des armes de CD Projekt Red s'excuse d'avoir noté que les critiques sur Assassin's Creed Shadows étaient fondées. Alors là aussi, c'est génial, tu vois, c'est-à-dire que il y a eu des critiques qui ont été émises sur Assassin's Creed Shadows dès le début. Alors, évidemment, il y a Zouké, mais pas que ça, tu vois, t'as eu plein de détails comme ça qui ont été relevés, hein, les décors qui n'allaient pas, qui étaient des décors chinois en plein milieu du Japon de Nobunaga, etc., etc. Je vais pas revenir là-dessus. Et donc cette personne donc avait dit, le responsable artistique principal des armes de CD Projekt Red, il avait dit, bah oui, mais tout cela s'est fondé, parce que forcément, dès lors que t'as commencé à critiquer en fait Assassin's Creed Shadows, il y a eu une pluie de la part des influenceurs et des presse mainstream d'insultes. Ce sont des fascistes, ce sont des racistes, ça les emmerde, que ce soit Yasuke, nanani, nanana. Ils sont pas allés voir plus loin, évidemment, c'est systématiquement à chaque fois les mêmes rhétoriques, il y a jamais d'argumentation, il y a jamais rien derrière, t'as que les insultes. Mais à côté de ça, lui, par exemple, quand il avait lu justement concrètement ce que les personnes disaient, il dit, ah, mais en fait, si, c'est fondé. Et alors là, il s'est fait reprendre par la patrouille, et c'est pas la patte patrouille ici, hein. C'est les inquisiteurs donc du côté woke de la force qui sont venus lui tirer les oreilles. Hein, qu'est-ce que tu fais? Il t'a été adoubé là dans la cathédrale là dernièrement de l'évangile selon sa woke. Tu peux plus faire ça maintenant, mais tu mets à genoux. Tu te mets à genoux. Tu te mets à genoux et tu dis pardon, tu reviens sur tes propos, tu fais un tweet, tu fais un X, tu vas voir, je sais pas, tu vas voir IGN, tu vas voir Kotaku, tu vas tous les voir. Et ça sera à tes frais. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Dis pardon. C'est exactement ça. C'est pour avoir une meilleure... Tu vois, c'est comme il disait tout à l'heure, c'est quoi une meilleure stabilité mentale, tu vois. C'est pour la stabilité mentale, tout ça. Envers une réminiscence, une lumière extravagante. Ça fait du bien à la caboche, il paraît.
C'est des projecteurs LED, donc un met en avant donc la diversité. Charter Awards, ça c'est un autre article que j'ai chopé aussi, tu vois, pour les avantages du congé menstruel dans le cadre de la promotion de la diversité et de l'inclusion. Et de l'équité. Donc voilà, avec les articles que j'avais pu choper à côté et en plus de ce qu'on avait pu lire dans l'article initial, on se rend compte que ce que nous a raconté Novakovsky, quand j'ai dit qu'il pataugeait au début, quand j'ai dit qu'il avait pris ses rames et qu'il essayait de pagayer, tu vois, sur sa petite pirogue, tu vois, comme ça, tu vois, il était un petit peu comme ça en stress, j'étais pas loin de la réalité, j'étais même complètement en fait dans la réalité, puisque effectivement, dès le début, quand il dit qu'on fomente une histoire qui n'existe pas, déjà, quand il nous dit, ouais, hein, vous dites qu'il y a des gens qui sont partis de notre entreprise. Mais attention, nous c'est pas les pires. Nous le nombre de personnes qui sont parties, c'est pas, on est les moins. Hein, c'est ceux qui la rotation chez nous, c'est la rotation la plus faible. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Voilà. Allez, mais du coup, est-ce qu'ils sont partis ou pas? Oui, ils sont partis. Mais est-ce que le type, il avait pas dit justement qu'ils étaient partis? Mais si, c'est ce qu'ils ont dit. Mais est-ce que le type, il avait dit qu'il y en avait beaucoup qui étaient partis, plus que dans les autres entreprises? Ah non. Et du coup, il avait raison. Oui, oui, mais la DEI, non. Alors, non, la DEI, il n'y en a pas chez nous, le wokisme, il n'y en a pas. Puis après, tu vois, tu vas sur son site et tu te rends compte directement sur son propre site de son entreprise que c'est exactement l'évangile selon Saint Woke et qu'ils sont dans la discrimination la plus totale, dans le racisme, dans tout ce que tu veux, en fait, hein, tout ce qu'il y a dans cette idéologie qui est... qu'il y a de plus dégueulasse, hein, faut bien le reconnaître. Et donc, ce qui est marrant, c'est que justement, donc après, t'as les WeDire, hein, ce youtubeur qui dit, donc il semblerait qu'en plus il fasse appel à des sociétés annexes maintenant, parce que les gens qu'ils ont embauchés sur l'autel de la diversité, de l'inclusivité, en fait, eh bien, ne sont pas compétents pour réaliser justement à bien les projets de cette même entreprise. Et là, tu te dis, c'est complètement, c'est ubuesque, c'est complètement dingue. En fait, on marche sur la tête. C'est un sketch presque, tu vois. Franchement, faudra en faire des films du côté woke de la force. Et je suis sûr que si t'en faisais vraiment des films avec des bons sketchs, tu ferais des cartons au cinéma. Et t'as presque même pas besoin en fait d'aller imaginer quoi que ce soit. Hein. T'as juste à reprendre exactement ce qu'ils font et à retranscrire à l'écran en changeant les noms. Tu vois, là t'avais Novakovsky, tu dis Servietsky et ça marche aussi tout pareil. ça marchera très bien. Non, évidemment, faut rendre à César ce qui appartient à César. Hein. Servietsky, c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec c'est des projecteurs aides. Hein. C'est du South Park les copains. Évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire quoi. Tu peux changer les noms, tu peux t'as les sketchs en fait qui sont, ils sont déjà préécrits pour toi, il y a pas de souci quoi. C'est juste un truc de dingue en fait ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est vrai que quand tu lis directement ce qui est marqué sur son site, tu te rends compte pas bah, qui nous raconte que des conneries. Puis quand tu creuses un petit peu sur ce qui s'est passé ces derniers temps, là les articles que je vous ai pris, ils datent pas de 10 ans, hein. C'est de quelques mois seulement. C'est ce qui se passe dans l'entreprise depuis quelques mois seulement. Ça fait quelques mois en fait que l'entreprise a pris ce fameux virage woke et en embauchant en plus des gens qui viennent de Sweet Baby Inc. Donc voilà, donc j'ai presque envie de dire que la boucle est bouclée quelque part. Après, lui, il se rend compte que le PDG de CD Projekt Red, sans doute se rend-il compte qu'ils vont au devant de certains boycotts sur leur jeu, justement s'ils font appel à cette fameuse DEI et que l'entreprise eh bien finit par marcher complètement derrière les pas du côté woke de la force. Et donc forcément, il vient derrière en essayant de ramer comme ça, de nous revendre son entreprise. Non, mais tout cela est faux. Mais quand tu regardes les faits, en fait, c'est exactement ça et ça plaide pas du tout en sa faveur, en réalité. Et ça sent pas très très bon pour cette société, c'est des Projekt Red. Surtout quand tu lis les trucs où ils t'expliquent qu'ils ont un projet social. Alors là, c'est vraiment, c'est juste hallucinant, quoi. T'es sûr, comme je l'ai dit, une maison qui est là pour faire des jeux vidéo, hein, qui est là pour divertir les gens, et qui ont complètement, en fait, balayé cette notion de divertissement sur l'autel d'un projet qui serait donc pour changer la société. De manière, disent-ils, positive. Évidemment, hein, c'est le côté woke de la force, il n'y a pas de souci. Avec eux, c'est la lumière avec eux, l'obscurité sans eux. Hein, c'est systématiquement le même discours. Donc ça ne sent pas très bon en tous les cas pour CD Projekt Red, et c'est pas ce que M. Novakovsky nous aura sorti ici que les choses eh bien, vont nous rassurer. En tous les cas, moi, ça ne me rassure absolument pas. Je verrai ce qu'il en sera par la suite, mais effectivement... Je suivrai de très près maintenant les jeux qui sortiront de cette entreprise. Et bon, affaire à suivre, comme on dit, mais comme je le dis, de toute façon, ça sent vraiment pas très très bon. Ça semble pas, en tous les cas, prendre un virage qui soit le bon pour cette entreprise. Et ma foi, les mêmes causes produisant systématiquement les mêmes effets. S'ils wokisent leurs jeux vidéo, ils iront face à des boycotts, c'est une évidence.
Ben ouais, parce que les gens n'en veulent pas. Hein, les gens ne veulent pas de cette propagande. Hein. Faut bien à chaque fois le rappeler, le marteler. Les gens ne veulent pas de cette propagande, puisqu'ici, c'est bien de la propagande politique. Hein. C'est bien de cela dont il est question. Hein, c'est bien ça qui est bien identifié, justement, ici. Hein, n'en déplaise à certains qui font semblant, toujours jusqu'à aujourd'hui, de ne pas le voir. C'est bien ce que les consommateurs, le grand public, lui, dans sa grande majorité, a bien compris. Et à bien identifier. Bref, en tous les cas, voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Paix, félicité, pistolet à prout, c'est ton retour. Vas-y, après une semaine de vacances, c'est à nous dire. Voilà. Lui, il a déjà employé l'écran moyen contre CD Projekt Red. Il appelle au boycott immédiatement. Ah, oh, ben ouais, mais il est comme ça. Mais il passe jamais par quatre chemins, le pistolet à prout. Maintenant, au bout d'un moment, vous commencez à le connaître. En tous les cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Hein. Je reprends un petit peu, petit à petit, mes marques après une semaine comme ça de vacances. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais ça fait super plaisir. Et j'espère pouvoir justement plier un live à la fin de cette semaine. Oh, je l'espère vraiment vivement. J'ai essayé les deux derniers week-ends. J'ai pas pu à cause des coupures de courant, justement, qu'il y avait chez moi à cause des inondations. Mais si c'est possible, évidemment, je ferai un live avec grand plaisir, justement, ce dimanche-ci, le dimanche qui va arriver. Je l'espère vraiment fortement. En tous les cas, on va continuer à suivre tout ce qui se passe dans le monde de la pop culture, globalement, avec ce fameux côté woke de la force que je continuerai à dénoncer, et toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.